Un autre rendez-vous populaire de la foulée renanaise, c'est la course du pardon. Voici la course des 4,4 km, des minimes aux vétérans. Avec une belle arrivée dans la camaraderie et la bonne humeur. Alors là, on a pas eu très fort, même si vous avez... Le côté qui monte. Pendant ce temps, les plus jeunes, qui ont couru juste avant, jubilent avec leur médaille. Chers amis coureurs, si vous voulez bien, vous dirigez. Puis vient la course des 10 km. Rien n'arrête nos athlètes, qui bravent vaillamment la pluie autour du lac. Avant de marteler les rues de la ville. Le plaisir est au bout de l'effort. Ouais, je suis troisième, mais pas en féminine. Ah oui, mais j'avais pas bon. Que les amis. Et alors, Lazy, on a marché en cours. Non, Raphaël, va le chercher vite fait, là. Évidemment, réaliser ses performances suppose un entraînement régulier. Ici, nous voyons d'abord les plus jeunes et les adolescents à l'action. Séance d'échauffement très importante pour préparer l'organisme aux efforts. Saut en longueur, saut de haie, javelot, tout y passe. L'athlétisme, c'est une formation globale. Et c'est le tour des aînés sous la direction éclairée et très compétente de Jean Cannes. Oui, là, Xavier et Franck ont un 1500 dimanche à Brest. Et Pascal, lui, il a un 800 samedi soir à Morlaix. Et Stéphane Montmelon, là, qui court avec Philippe Guenagas, là, lui, il prépare un 3000 mètres cadets à Morlaix aussi samedi soir. Ouais.